Hello tout le monde, on espère que ça joue. Bon voilà, journée un petit peu spéciale. Le déconfinement en Suisse est plus ou moins annoncé, donc ça c'est vachement cool, ça fait du bien. Puis on a envie d'aller faire quelques photos avec mon frère pour Instagram, parce qu'on est un petit peu en manque de contenu. Puis l'avantage c'est qu'à 100 mètres de chez nous, on a déjà des places super cool pour faire des très très belles photos. Et là, bah, aujourd'hui on se disait, pourquoi pas vous emmener faire quelques belles photos. Allez, c'est parti. Ah, ça commence à devenir lousse cette histoire. Bon, Jonas a pris un petit peu d'avance, c'est cool, il a été chargé quelques batteries parce qu'il y en a besoin. Moi, je ferme le studio photo et puis c'est parti pour quelques photos. Allez. L'idée, c'est un peu de vous faire partager ce qu'on fait quand sur Instagram, on a besoin de contenu photo. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui prend une énorme partie de notre temps aussi en parallèle avec la vidéo. Donc on vous emmène avec nous, puis on va vous montrer un peu deux, trois trucs, comment on fonctionne. Le temps est pas GG, mais c'est pas grave, c'est pas plus mal quand on fait de la photo, de pas toujours avoir un grand soleil bleu, mais des fois d'avoir un peu un temps... Quelques nuages qui viennent en fait un peu faire comme un espèce de voile, et la lumière n'en sera que meilleure. Exactement, donc c'est pour ça qu'on... Bah allez, on y va, on vous emmène avec nous. Parti. Ok, petit break, changement de montre. En fait, faut savoir qu'on aime assez bien changer de montre régulièrement parce qu'on gravite un peu autour du même endroit souvent. On aime bien avoir une zone définie qui n'est pas si large que ça. Et pour se donner pas mal d'inspi, puis changer, hein, parce qu'on veut aussi un contenu différent sur nos réseaux, on change assez régulièrement de montre, non ? On a avec nous toujours 2 à 4 montres où, en gros, ça nous permet d'en avoir suffisamment pour pouvoir changer. Pouvoir intervertir, pour pouvoir changer un peu de monde, changer un peu de regard, changer un peu de créativité, puis pas en avoir trop non plus parce que après bah, c'est les risques qu'on prend et puis après on sait plus où les mettre et puis voilà. Là on vient de shooter pas mal le méga Seamaster 300M Diver, la 007. Là on va shooter maintenant un petit peu la Seiko 5 Sport parce que c'est une montre super cool et sur Instagram elle plaît énormément puis nous on l'adore. Ouais, et puis petit truc, pensez quand voilà, faites des shootings, vous prenez plusieurs montres, en tout cas nous on a adopté ce système, pensez à ce qu'elles soient bien molletonnées ou très dures pour pas qu'il y ait de contact parce qu'une fois dans un sac on peut pas tout contrôler quoi, mais nous on a vraiment adopté ces petites housses. Si vous nous suivez sur YouTube et sur Instagram aussi, vous savez que nous, ce qu'on aime, que ce soit pour la vidéo ou pour la photo,
Bah, c'est mettre les montres dans leur environnement, dans un univers, dans un contexte, en fait, dans une composition. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, nous qui pratiquons maintenant la vidéo et la photo de monde depuis un certain temps, c'est quelque chose de très particulier à faire, de pas évident en fait. Ça demande une certaine adaptation, puis ça demande des combines. Et c'est vrai, votre montre, ça restera votre sujet principal quoi qu'il arrive. Et l'enjeu en fait, c'est de réussir à mettre votre montre dans un contexte, dans une composition, pour donner une émotion en fait à votre photo ou à votre plan vidéo. Mais là, on parle de photo. Ouais, puis nous, on a l'avantage, c'est vrai, c'est d'être deux. Faire des photos ou la poser quelque part, vous prenez en arrière-plan avec autre chose, c'est clair que tout seul, c'est largement faisable. Tout est faisable tout seul. Mais on ne va pas vous cacher qu'être deux, quand on fait par exemple typiquement le pocket shot, où on prend dans la poche. Les fameux plans qu'on aime bien voir sur Insta. C'est carrément plus simple de le faire à deux, on peut prendre plus de recul. C'est plus simple, c'est souvent mon frère qui est derrière l'objectif, vous le savez. Ce n'est pas un secret pour vous, c'est lui le pro, ce n'est pas moi là-dedans. Mais c'est vrai qu'être deux, on en a déjà parlé, pour nous, c'est une sacrée force quand même. On a de la chance. Bon, on a bien exploité la Seiko. Ouais. On passe à la last montre, à la dernière montre. C'est la Tudor 58. Allez, on se réjouit. C'est parti. Allez, go. On sait que vous n'avez pas l'habitude de voir ce genre de vidéos sur notre chaîne YouTube, mais l'objectif, c'était pas forcément de vous donner toutes les astuces possibles et imaginables sur la photo, mais de vous emmener avec nous sur ce qu'on fait sur Instagram. C'est le fait tout simplement d'y aller, de faire de la photo, d'y aller. Et c'est ça qu'on aimerait que vous fassiez. Ouais, peut-être qu'on vous préparera une série, une chronique, une série de vidéos. On vous apprendra peut-être plus d'astuces, de choses techniques pour vraiment faire de la belle photo et pourquoi pas de la belle vidéo. Ça, c'est possible. On adorerait faire ça. Dites-nous dans les commentaires si vous aimeriez voir ça chez nous. Mais voilà, l'idée, c'est que là, en fait, c'est ça. Dans cette vidéo, on voulait évoquer, finalement, sortez, prenez vos montres, votre montre si vous en avez qu'une, et faites des photos. Essayez, mettez-la dans des compositions, amusez-vous, tentez des trucs, même avec le téléphone. Parce qu'il y a des choses incroyables qui peuvent être faites. Enfin, qu'importe votre matériel, qu'importe votre montre, essayez, faites, amusez-vous, et nous, ça nous fera hyper plaisir. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter, de nous suivre, de partager la vidéo. Et n'oubliez pas, soyez à l'heure.